Allez, sur le fond du bus. Venez voir au fond du bus. Au fond du bus, au fond du bus. Au fond du bus. De sécurité en positionnant des policiers en couverture. Le groupe de soutien opérationnel de la compagnie de sécurisation et d'intervention 75, la CSI, intervient rapidement pour gérer la situation. En attente de la brigade de recherche et d'intervention de la BRI, il se charge des premières évacuations de victimes. Premiers intervenants de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, la PSPP, se présentent. Ce détachement, composé d'un véhicule de secours à personne et d'un engin mobilité de premier échelon d'intervention RDC. Oui, c'est reçu pour la fille. Meilleur aussi qui peut RDC et mon idée filtrant. Reçu. Déclenchée par le préfet de police de Paris, la force de l'intervention rapide de la BRI est engagée dans la crise. Test d'étanchéité. Énervé, c'est urgent. Masque plus grand. La fibre intervient en premier et dans l'urgence de équiper la matériel important et plus léger que les autres colonnes d'assaut de la BRI, elle gagne en vélocité. Un petit véhicule blindé de soutien lui est associé. Cette première lame de l'intervention est capable de gérer une situation, voire de la résoudre en cas de péril imminent. Elle se déplace par tout moyen disponible, de roues, bateaux, hélicoptères. Consiste à récupérer une victime au plus près de la menace. L'opération consiste à aller chercher une victime dans une zone dangereuse, la mettre à l'abri, recevoir les premiers soins du médecin de la BRI et à la faire prendre en charge par la CSI pour conduite au PRV de la BSPP. Le périmètre NRBC en limite de zone d'exclusion. Le groupe se met en position d'attente, prêt à intervenir pour canaliser le flot de victimes après l'assaut de la BRI. D'autres effectifs non joués ici boucleraient le périmètre de la zone contrôlée conformément aux dommages NRDC. La deuxième lame de la BRI, le H30, se prépare. Cette colonne d'assaut est entièrement équipée NRDC combinaison filtre en 24 heures et appareil respiratoire isolant.
renforcer la fille. Engagé par la BNI qui arrive à la suspicion de polytoxique. Le poste de commandement avancé s'est approché de la frappe dans le 4-4 pour surveiller les opérations. Un robot terrestre vive la manœuvre en appui de l'assaut de la libération des otages. La fille dans le PVP qui ne pouvait guère le programmer de diversion avant le bus pendant que le H30 pénètre dans le bus par l'arrière. Le tireur tourelle neutralise le terroriste à l'avant du bus. Le deuxième terroriste est évacué tandis que les otages sont évacués par la porte arrière pour les mettre en sécurité derrière le gros blindé. Ils sont pris en charge par la CSI et amenés au PRB. Le dépiégeur d'assaut procède à la levée de tout explosif et énerve blessé. Il est équipé de différents détecteurs chimiques et de matériel permettant des prélèvements d'urgence. Les détecteurs d'assaut font partie du laboratoire central de la prévention de police de NCPP. L'un d'eux est systématiquement intégré à la prélevage 30 de la BRI. Pour l'évaluation du risque, il se coordonne avec l'équipe d'astreinte chimique. Le détecteur transporte le prélèvement à ses collègues du NCPP positionné à leur laboratoire en ville afin d'identifier le plus petit agent utilisé. Les prélèvements sont pris en charge par les experts du laboratoire en ville du NCPP. Va évacuer le bus sous protection de la CSI 75. Thank you.